Bonjour, dans la vidéo précédente, on avait donc vu cet exercice de main gauche. Donc une autre variante à cette suite de dixième, c'est de passer par le bémol 3 diminué, donc ce degré-ci. Donc ça donnera ceci. Voilà, et ça c'est vraiment une montée, un exercice que je préconise vraiment de travailler dans tous les tons, parce que c'est très très utile en jazz. Etc. etc. Évidemment, vous pouvez le faire en descendant également. Vous pouvez également le faire avec un tempo de cette façon, en boucle. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez également vous amuser à improviser avec votre main droite tout en faisant cette main gauche. N'hésitez pas à changer d'exercice régulièrement et ne pas rester trop longtemps sur le travail des dixièmes, car musculairement, ça peut être un peu douloureux au bout d'un moment. Voilà, bon courage!